Alors, bonjour et bienvenue à la soirée Témiscamitibienne. Alors, on reçoit encore les personnes de l'Association de musique traditionnelle. Bonjour. On va commencer avec vous, M. Baudrier. Alors, dans le fond, votre parcours, vous avez commencé jeune, dans le fond, le côté de musique, là. J'ai commencé très jeune. J'ai aimé ça, la musique. J'étais toujours dans ça, dans le coin de la soirée radio dans le temps, parce qu'on n'avait pas de télévision dans le temps. On n'avait pas d'image. On avait du son, mais pas d'image. Fait que maintenant, on a ça, là. Mais moi, j'ai toujours été un passionné de la musique. Toujours été, je suis jeune, je me rappelle, j'aimais ça, vraiment ça. Puis, tellement que tout me plaisait là-dedans. J'avais un copain qui venait à l'école avec moi, sur le chemin de l'école, sur la route. On marchait à 2 000 pour aller à l'école, donc on avait le temps de jaser un peu. Puis, j'avais un copain qui était stationné sur mon parcours. Puis, lui, il m'avait dit que son frère, il avait fait une guitare. J'ai dit, ah, une guitare, j'ai jamais vu ça, j'aimerais ça voir ça. Fait qu'il dit, oui, j'ai dit, je pourrais-tu l'avoir? Il dit, oui, il a accepté ça. Fait que j'ai été voir la guitare. Elle m'intéressait, je l'ai trouvée vraiment belle. Je savais pas si elle sonnait, rien, mais elle était belle, la guitare. Elle était faite de carton, un beau carton gris-bleu, c'était beau, tricoté avec de la laine autour, puis il y avait un manche en bois. Mais des cordes un petit peu spéciales, des cordes en laiton. Fait que je peux pas dire que ça sonnait très bien, là, mais c'était différent. On pouvait monter, il y avait des idées de monter les cordes, on pouvait faire les sons, que c'était mieux que jouer en deux chaises, là. Fait que ça avait de l'allure. Fait que c'est pas mal ça, mon histoire que j'avais à vous raconter. C'est bon, parce qu'après ça, vous avez eu le guitare, puis là, vous Oui, avez plus joué à maintenant, partir de oui. ça, là. Maintenant, là, je joue avec l'âge d'or, avec la gang. On a une belle gang. On les aime, puis ils nous aiment aussi, ils nous rendent bien. Fait que là, j'ai ma guitare, là, je peux faire ce que j'aime. On s'amuse avec ça. On s'amuse beaucoup. Fait Vous êtes que, aussi bon aussi à mandoline aussi, ouais, ça complète bien, là. Ça va, oui, ça passe le temps, oui. C'est bien beau. OK, aussi. ça lui vient. On va commencer. Oh, essayer, oui. On va commencer avec vous. Ah oui, ah oui. Ben oui, ben oui. Ouais, Laissez le micro. Bon. Vous commencez de même. Dans le fond, vous, là, vous aussi, là, vous avez commencé assez jeune, puis Oui, vous avez vécu plusieurs affaires. C'était mon frère qui jouait beaucoup. Et puis, on avait acheté un piano à nos deux. On était jeunes dans ce temps-là. Puis, à un moment donné, lui, il jouait bien. Moi, je ne jouais pas dans ce temps-là. Je jouais la guitare. Puis, là, à un moment donné, on monte de jouer dans une veillée. Puis, on avait acheté juste le piano, mais il n'y avait pas de boîte. Oh. Il était enveloppé d'une couette, puis on l'avait mis en arrière du pick-up. On avait un vieux pick-up pour embarquer ça en arrière. Puis il y avait 2 000 de route, puis il y avait un gars qui marchait à pied, puis on le fait embarquer. Je le fais embarquer, même une main sur le bord du truck, il saute sur le violon. Il casse tout oh. le violon en miettes. Plus de violon. Ouais, c'est là que ça a commencé. Après ça, mon frère s'en est acheté un autre. Puis là, mon frère est parti dans le bout de Hearst, lui. Fait que moi, je me suis acheté un violon, j'avais 20 ans. Puis c'est ma femme qui a été chargée. Puis, au bout de 15 jours, là, je savais assez de morceaux pour faire. Pour faire jouer danser Ah, c'est bon des ça. Ça n'a jamais arrêté depuis, là. Oui, ça a arrêté. J'ai arrêté 35 ans. Ah, quand même. Mais comme, je vous ai. Ça vous prenez. C'est bon, ça se perd pas, c'est comme le vélo. Oui. D'accord, vous, merci beaucoup. Donc, on va continuer en musique. On vous laisse aller.
C'est terminé notre soirée. Nous tenons à remercier nos partenaires, l'association Folklorique, la CACI, la CRI, ainsi que les sports de loisirs.
Alors bonjour, on est avec Madame Françoise Mongrain de l'Association folklorique Abitibi-Témiscamingue qui en est la présidente. Bonjour. Bonjour. Alors, on voulait savoir comment s'est passé votre cheminement pour votre côté musique traditionnelle. Disons qu'on aimait cette musique, mon conjoint et moi, et puis on allait aux soirées qui avaient alentour de nos paroisses, alentour de chez nous. Alors, j'ai débuté comme ça. Ensuite, à un moment donné, on m'a invité à devenir membre folklorique et par la suite, on m'a invité à rentrer dans l'exécutif. Et par la suite, j'ai pris le poste de présidente suivi de M. Théodore Denis.